Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Zero, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on est sur Google en fait, on est sur YouTube et on va voir un trailer les gars d'un jeu de simulation, donc Pure Farm, Farming 2018 excusez-moi. Donc c'est un jeu que je connaissais pas, j'ai vu le trailer sur Facebook ce matin et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dessus. Donc il y a The Spirit Ben qui a fait une vidéo dessus mais bon, voilà, bon j'ai voulu la faire mais il l'a fait, donc voilà je vais la faire quand même, j'espère pas que ça va le déranger, je demanderai à Ben bien sûr, oui parce que je le connais. Donc voilà, les amis, on va parler un peu du trailer déjà, donc il dure 1 minute 33, je ne l'ai pas vu encore une fois, je ne l'ai pas vu du tout, mais j'espère que ça va vous plaire, et après on parlera de quelque chose sur la chaîne que je devrais vous parler. Voilà, du coup les amis, on va se mettre en plein écran, attendez, on va juste regarder, j'espère que ça va pas gêner pour la caméra du coup. Je l'ai mis là, j'espère que ça va aller. Donc les amis, voilà, on est là. Donc pour les personnes qui veulent voir le trailer, il sera en description bien sûr. Bah je voulais, on va le regarder là. Mais pour les personnes qui veulent s'abonner à la chaîne de Pure Farming Games, voilà, ils ont 1,5K d'abonnés comme moi. Donc voilà, merci à tous aussi les gars d'avoir les 1005 abonnés, ça fait plaisir, on les a eu jeudi, on les a eu, mercredi, on les a eu mercredi soir, donc voilà, merci à tous, ça fait plaisir. Donc du coup les amis, on va regarder ce petit trailer, j'espère que ça vous plaira, et franchement, j'espère que ça va être un bon jeu. Bon, parce qu'après il y a Catalan's Crops, il y a Farming, et puis il y a si ce jeu là est aussi réaliste que Farming et Catalan's Crops, on verra bien ce que ça va donner. Sur ce les amis, on va regarder ce petit trailer, je ne parle pas, je pense parler, on va voir ce que je vais faire, mais sinon on va voir ce que ça va donner. Bon trailer à tous, c'est parti, go. Voilà les amis, c'est parti. Voilà, c'est un peu fort par contre. Voilà, magnifique, donc déjà on peut apercevoir qu'il y a une petite batteuse. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc. Il y a plusieurs sols de tracteurs, déjà c'est déjà pas mal. Bon, il y a des camions aussi, donc voilà, Farming, un peu comme Farming. Il y a deux sortes de batteuses, donc c'est cool. Oh putain, mon gars. Il y a des trucs qu'il n'y a pas sur Farming. Oh le raisin! Oh, il y a du raisin. Des cochons, bah oui. Oh, des cerfs et tout, putain. Il y a déjà deux sortes de batteuses. J'ai pu apercevoir quatre sortes de tracteurs déjà. Oh, des veaux. J'ai rêvé, il y a des veaux, les gars. S'il y a des veaux, franchement, c'est assez cool. Ok, en sileuse, donc les trucs de base. Putain, il est trop bon en vrai. Putain, ça me. Ok, donc là, il y a ce tracteur là. Donc voilà, charrue combien, 4-5 corps, j'ai pas trop vu. Donc voilà, les amis, c'est la fin déjà du trailer. Donc franchement, un trailer qui est assez bien, je trouve, à mon goût. J'espère que le jeu sera quand même réaliste. On a pu apercevoir dans ce trailer qu'il y aurait des veaux déjà. Donc des vaches, logique. Donc il y a des veaux, c'est pas mal, je trouve. Des cochons, des vaches, j'ai pas vu de moutons. Donc je sais pas si on aura ou pas. On a pu apercevoir deux sortes de batteuses, donc une bleue, une rouge. On a pu apercevoir une machine pour le raisin et du raisin, plusieurs sortes de tracteurs. Donc il y avait je sais plus, il y avait lequel. Il y a un rouge qu'on avait déjà sur Farming. Donc il y a un jaune déjà, donc c'est pas un JCB c'est sûr. J'ai pas vu un New Holland, c'est pas un New Holland que j'ai vu, le bleu au début, je sais pas c'est quoi. On dirait vraiment pas des marques, donc voilà, comme vous pouvez le voir là, il y a des le jeu dont j'ai vu ce tracteur là, donc je sais pas, voilà, c'est lequel. Donc voilà, les amis, on reste ici sur cette petite partie là. Donc comme vous pouvez le voir, il sera disponible sur Xbox One, donc sur console, sur PS4 et sur PC. Donc voilà, il n'y aura pas ce jeu sur PS3 ni Xbox 360, car voilà, c'est carrément fini ces deux consoles là. Donc voilà, Xbox One, PS4 et PC. Donc je pense que pas mal de personnes vont l'acheter sur PC et PS4 à mon goût, parce que Xbox One, je connais pas trop de monde qui joue à Farming même. Donc voilà, les amis, vous pouvez les contacter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram ou Twitter. Voilà, donc il sera disponible là les amis. J'espère que ça vous plaira, franchement
Parce que voilà, donc on va vous remettre le. On va, je vais vous parler de quelque chose, les amis. Que voilà, donc voilà. On va vous parler. Excusez-moi. On va parler de ça. Je vais vous remettre le trailer, les amis. Voilà, je coupe le son. Donc, les amis, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que à l'heure que je vous poste la vidéo, normalement, je l'avais le dimanche à 14h. Je serai pas loin de partir en Allemagne, bien sûr. Donc, je regarde là parce que je sais pas pourquoi. Je serai pas loin de partir en Allemagne. Donc, je pars à 23h. 22h40, les amis. Je pars pendant un mois. Donc, c'est pas forcément l'envie qu'il me donne. Mais je suis obligé d'y aller pour effectuer un stage pour le bac, je sais pas trop quoi, l'année prochaine dans l'élevage, bien sûr. Donc élevage de vaches, je pense, je sais pas, je suis dans quoi, je verrai bien arriver là bas donc vous inquiétez pas, il y aura des vidéos qui vont arriver, dans une vidéo qui va arriver dans le moment Kubota, donc spécialité élevage déjà, et après il va y avoir des vidéos sur la série qui continue, et après quand je reviens d'Allemagne, j'effectue 2 semaines en France de stage, après c'est les vacances, donc voilà, là il y aura des vidéos, des lives et tout, et j'ai commandé mon câble Ethernet, donc je l'aurai pendant que je serai en stage en Allemagne, donc voilà, je l'aurai pas de suite, donc après si ça vient de ça, je pourrais vous refaire des streams comme avant. Ce sera assez cool, je trouve, hein. Et puis il y a Erwan qui a des problèmes de connexion en ce moment, donc il peut pas les faire. Donc les amis, voilà, il y aura des vidéos, bien sûr, il y aura juste pas de live. Après je demanderai à Erwan ce qu'il peut faire, parce qu'il a des gros problèmes de connexion en ce moment. Mais pour vous, normalement, ça ne change rien. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap aussi, car j'ai vraiment envie que vous m'ajoutez sur Snap. Ça peut être cool, je trouve, à mon goût. Donc les amis, voilà, ajoutez-moi sur Snap, on va mettre lire en boucle. Ajoutez-moi sur tous les réseaux sociaux, j'essaierai de faire des lives là-bas. Des lives IRL et tout, à la ferme et tout. Ça peut être bien aussi, ça peut être bien. Moi j'ai pas envie d'y aller, mais bon, ça peut être une petite expérience. Je pourrais faire des lives là-bas. Je vais essayer de vous tourner quelques vidéos, même quelques vidéos en Allemagne. Je vous demanderai à mon maître de stage. Quelques vidéos en Allemagne que je vous posterai directement quand je rentrerai en France. Et je vous montrerai avec du bon montage et tout, bien sûr. Donc les amis, voilà, vous pouvez me contacter sur tous les réseaux sociaux. Je mettrai pas mal de photos et de vidéos sur Snapchat normalement. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, les amis, ça me fait plaisir. Sur ce, les amis, franchement, Snap, voilà, j'y mets pas mal de choses, on va pas se le cacher. Mais surtout là, je mettrai pas mal de choses si voilà, je suis pas forcément beaucoup occupé. On verra ce qu'on va faire là-bas. Donc les amis, voilà, alors que je vous la mets, bah, je serai pas loin de partir, bien sûr. La valise sera bouclée, comme on dit. Mais voilà, du coup, je serai pas forcément là pour les lives de Starview. Je serai pas du tout, même je serai là pour dans peut-être leur modo. Je verrai ce que je vais faire. C'est un mois, c'est assez long, je trouve. Donc je pars, ça à peine un mois, parce que je pars le 11 et je reviens le 8. Je pars le 11 juin, donc qui est dans, ouais, c'est dans 4 jours là, mais voilà, je vous tourne la vidéo un peu plus tôt. Et après, je reviens le 8 juin. Le 8 juillet, excusez-moi, et après je repars 2 semaines en France en stage chez mon maître de stage habituel, bien sûr. Et je ferai 2 semaines de stage jusqu'au 21 juillet. Voilà. Sur ce, les amis, moi je vais vous laisser sur la 3e ou 4e fois. Je vous mets le trailer, les amis. J'espère que ce petit trailer va vous plaire, ce jeu va vous plaire. Si ce jeu me plaît pas mal, il sort en début 2018 normalement, si je me trompe pas. Donc si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à le précommander, même quand on pourra le précommander au Micromania ou autre. Et voilà, moi je pense le prendre. On va voir ce que ça va faire entre Catalan's Crops, entre Farming et entre ce jeu là Pure Farming 2018. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. En face Skype, bien sûr, maintenant je fais que des vidéos en ça. Des vidéos arrivent, bien sûr. Sur ce, les amis, c'était Zero. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et on se retrouve normalement jeudi pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut tout le monde.